écoute, ici Lupina pour les... Lupina! 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 Pas Lupina ou Lupina. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis Lupina, c'est trop bizarre. Lupina! Pour l'épisode numéro 130 du 100 Baby Challenge, on est à 55 bébés, ce qui est pas mal. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Pourquoi je fais ça? Oui, voyez-vous, il y a eu beaucoup de rebondissements la semaine passée. Donc je vous invite à voir, bien évidemment, l'épisode précédent en cliquant sur le petit i ou en fin de vidéo, n'est-il pas? Mais nous n'allons pas nous perdre en conjoncture. Et ben, on va se retrouver dans le jeu tout simplement. C'est parti! C'est parti! Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Mini malin tout rond, petit ours brun. Alors, lui a bientôt fini ça. Et c'est cool. D'ailleurs, ils en sont, ces pauvres. Ouh là là. Marlon est célibataire. Marlon. Bon, il est fatigué, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux finir, s'il te plaît, mon petit Jordan? Histoire 2, s'il te plaît. C'est bientôt fini, là, il te reste genre 3 points à prendre. Et il y a plein de cheveux et de poils sur mon micro. Oh, vous avez dû avoir un son dégueulasse, j'avais pas bien mis le... Je suis désolée. J'espère que ça ira quand même. Ah, ça y est. Bon, on va le faire aller un petit peu sur le pot. Hop. Non, en vrai, je pense qu'ils sont trop crevés. Mais c'est pas grave, il va rester l'imagination. Et toi, t'en es où? Ouais, non mais toi tu vas aller te coucher surtout. Voilà. Va dormir mon petit loup. Et toi, tu vas aller sur le pot vite fait et ensuite tu iras dormir. La compétence c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, bah franchement ça va hein. On devrait pas trop se... On devrait pas avoir les bébés en même temps que les bambins normalement. Si tout va bien. Ça va, je trouve que je gère plus tôt là. J'arrive à gérer donc ça c'est bien. Et lui, il lui manque un truc par contre. Bah le pot, voilà, c'est ça qui lui manquait. Il faudra que Pierre s'occupe de du petit. Non, fais pas ça Pierre. Où est Marlon? Il est parti? C'est pas possible, je vais rouiller. Mais il est où? Ah non, il est là, ouf. Ah oh, j'ai eu peur là, je me suis dit non mais attends, c'est gonflé ce jeu. Il est blasé encore, mais pourquoi? Pourquoi il est blasé? Conversation profonde. Est-ce qu'on peut lui faire une blague? Ah, ça y est, il est concentré. Le petit Pierre. Bon, écoutez, on va essayer de le pécho direct pendant qu'on est plus triste, parce que sinon, c'est chiant. Technique de drague. Mais il est blasé aussi, c'est chiant. Je sais pas pourquoi il est blasé comme ça. Ah, ça y est, il est heureux. Bon, allez, go! Non, pas au revoir, tu es mon prisonnier! Mon prisonnier! S'évanouir, ok. Bon, il va s'évanouir, le petit ira au lit après, mon petit chou. Allez, c'est parti, les amis, on peut y arriver! Bondis, fais du bruit, tape des pieds, fais tourner, maintenant c'est le moment pour le grand changement! Ouais, excusez-moi. Oh non, ça va pas du tout! Non, tu fais chier. Se rattraper. Ah, il s'est rattrapé. Complimente la tenue. Putain, tu vas être chiant toi, Marlon. Hein. Quoi, c'est parce que je te séquestre? C'est ça? Oh bah si t'es chafouin aussi. T'es susceptible, hein. Ah putain, le mec, c'est... s'excuser ou une connerie comme ça, réconforter le parent. Le parent? Pourquoi on le connaît? C'est qui? J'ai pas compris. C'est pas un mec à nous quand même, enfin un gars de notre famille, j'espère. Généalogie de Pierre. Ben, je crois pas, non? Marlon Brando, mais ça me rappelle quelque chose. Attendez, je vais chercher dans mon document. Putain, je l'ai fermé. Hein. Je vais chercher Vitef dans mon document. Mais non, normalement, il n'y a pas de Marlon Brando. Enfin, je crois pas. Attendez. Marlon. Non, il n'y en a pas. Bon, c'est pas un papa, donc je peux continuer de le pécho.
Je vais te pécho. La 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 la. Est-ce que tu peux arrêter de t'embarrasser, chouchou, s'il te plaît? Ah. J'aimerais bien te faire les fesses. Enfin, que tu fasses les miennes plutôt. Enfin. Voilà. J'ai mis quoi? Non, avoue pas ton attirance, mais. Ah, ça y est. Complimenter l'apparence. Et puis, je sais pas ce qu'on peut faire. Impressionner avec ses prouesses de jeux vidéo? Ouais, ok. Non! Mais je veux pas avouer l'attirance, tu casses les couilles. En fait, je veux faire suivant, sauf que bah, y a pas de suivant, donc du coup, je fais avouer l'attirance. Allez, là! J'aimerais vraiment te pécho. Putain, c'est dur de draguer de nos jours. Pourtant, Pierre est concentré, donc normalement. Mais quoi encore? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Draguer? T'aimes pas quand je te drague. D'accord. Oh! Ça a tout descendu. On peut se rattraper? Ok, bon, il s'évanouit. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, on va aller se coucher, hein. Voilà, on va aller se faire foutre. Ça ira peut-être mieux demain. Par contre, si tu peux arrêter de dévaliser mon frigo, espèce de gros con, ça m'arrangerait. C'est peut-être pour ça qu'il y a des moins un peu partout. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vous reprends quand ils ont fini de dormir et tout ça, parce que là, on se fait chier. Et re, ça y est, ils sont réveillés, les triplés aussi. C'est super, c'est génial, on adore. Donc, je vais aller les nourrir et on va recommencer à farm. Parce qu'on fait que ça, presque. Allez, petit chou, va manger, toi aussi. Ça va, hein, franchement, je me suis pas trop énervée sur eux. Oui, ben, je sais que vous avez faim, mais allez manger. Zou? Zouzou. Ok, donc le mec aime pas l'humour en fait, je pense. Mon Kurama, tais-toi, on t'a rien demandé. Ouais, c'est ça. Le gars a pas d'humour. C'est pour ça que dès qu'on fait une blague ou quelque chose, il nous fait chier en fait. C'est chiant. Il est chiant ce mec. Pff, ouais, bah on va pas faire de. On va pas faire de blague, hein, c'est bon. Et j'ai jamais galéré autant pour pécho un mec, hein. Ça va, vous mangez, c'est bon? Mais pourquoi elle mange pas? Oh, c'est gâté, putain. Fait chier. Et ça, gâté, très bien. Et ça, gâté. Mais tout est gâté, ça se passe comment? Gâté, mais what? Ah, ça va pas être gâté quand même. Gâté, mais quoi? Mais le frigo est en panne? Mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi? Mais tout est gâté. Gâté, j'hallucine. Bon, laisse tomber, Pierre. Stop, stop, stop. Va faire vite fait un truc pour tes gosses. Voilà, œuf brouillé. Mais non, 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 je fais des bêtises, je fais des bêtises. Je me précipite, je fais n'importe quoi. Mais je sais que vous avez faim, les petits loups, mais là, ça va être compliqué, là. Servir le brunch, brouillade du petit déjeuner. Allez, hop, vas-y. Vas-y, arrête de parler avec ce con. De toute façon, il s'en bat les couilles de toi. Oh! Vite, oh putain, l'angoisse là. L'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Venez là, les petits. Allez, viens. Je vais sauvegarder quand même. Je le sens pas. Mais tout est gâté, j'ai pas. J'ai pas compris pourquoi. Mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? Non, 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 non. Tu reprends la brouillade, tu te dépêches pour nourrir tes gosses. Putain, mais gros con, fais ce que je te dis! Dépêche-toi! Oh, quel blaireau! Dépêche-toi si tu veux que tes gosses aillent bien là. Magne-toi, putain, il faut 15 ans pour cuisiner. Oh le stress. Maya, viens ici. Et Max aussi. J'hallucine, j'ai pas compris pourquoi tout était périmé comme ça. Voilà, c'est bon. Allez, dégage. Vite, prendre une portion. Pourquoi les gosses ne viennent pas? Mais ils arrivent, ils sont juste très très lents. Bon, Pierre. Tu vas aller te donner des paroles d'encouragement parce que ça commence à me péter les noix que tu sois tout le temps triste. Hop, voilà. Allez, zou. C'est bon les petits, vous mangez? Allez, vite. Mangez. Voilà. Ouf. Ouh, j'ai eu chaud au cul, moi. Hein. Bon, ça c'est bon. Phew. Oh, l'angoisse. Mais taisez-vous, on peut pas désactiver les appels. Franchement, c'est un truc qui me fait chier. Mais on peut pas les désactiver, quoi. C'est chiant. C'est chiant à mort. Il reste combien de temps, là? 24 heures. On s'en fout.
Bon, cela dit, c'est plus logique que quand c'est un membre à Tambouctou, là. Tu peux arrêter de parler à ma gosse et me laisser gérer, s'il te plaît? Lui, il me gonfle. Il me gonfle level 1000. C'est simple. 16h. Hein, 17. Hein. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller le... Mais je croyais que j'avais un bac avec le champagne, là, vous savez, qui m'est instantanément romantique. Ah, ben bah, peut-être pas, en fait. Autoriser l'accès. Ouvrir. Attendez. Je veux voir. Saut, activité extérieure, saut de soleil, saut VIP. C'est dans ça, peut-être? Ah, parfait. Du coup, on va mettre la lampe, on va la supprimer, tout simplement. Et hop là. Tada! Parce que je sais que Clémentine en avait un. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Bon. Du coup, les petits. Vous en êtes où? Ah, il est cœur. Bon! Et ben, on n'est pas rendu. Allez, on y est presque. Toi, il te reste la réflexion et l'imagination. Donc, ça va. Tu vas aller faire de la réflexion. Toi, il te reste le pot, mais tu peux pas le faire tout seul. Donc, tu vas aller jouer à la poupée. Et toi, il te reste le pot et l'imagination. Donc, tu vas bah, rusher le pot, mon petit loulou. T'as pas le choix, de toute façon. Hop. Voilà. Pierre. Allez, c'est bon. C'est bon, laisse tomber. Va t'occuper du bébé. Hop. Et. Soin du bébé ultra efficace. Parfait. Il est où le Marlon de mes couilles là? Il est là. Donc, on va lui dire, demander comment s'est passée la journée. Voilà, afin de discuter ici. Pierre est trop triste pour faire quoi exactement? Parce que bon. Et verrouiller la porte pour tout le monde sauf Pierre et autoriser l'accès. Au foyer, non pas au foyer, aux employés, voilà. Ça, on active l'aura émotionnelle. Contempler le travail. Voilà, il a fini, c'est cool. Donc lui, il est en geôleur, c'est parfait. Les bambinos, c'est bon, vous faites vos trucs. Parfait. Ils sont en train de monter leurs compétences. On va pouvoir pécho. Parce que là, il y en a ras le cul du machin, là. Complimenter l'apparence. J'espère que ça a marché par contre cette fois parce que c'est chiant. Offrir une rose. À mon avis, il va nous envoyer chier, je pense. Peut-être pas, vu que Pierre est enjôleur. Peut-être que ça a marché. Ah, c'est bon, ça marche. Super. Avec le trait enjôleur, ça va tout de suite plus vite, hein. Hop. On va envoyer un baiser. Il est mal à l'aise, mais ça, c'est pas mon problème. Prendre une pose sexy. Je sais pas. Non, il aime pas draguer, donc je vais pas le draguer. Complimenter l'apparence. Il y a peut-être premier baiser là. Ah, premier baiser, parfait. Allez, vas-y, Pierre. Vas-y, Pierre, on croit en toi. On croit en toi. On croit en toi. Hop. Et puis, chatouiller. Allez, zou. Magne, 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 magne. C'est bon là? Mais ils sont pas embrassés? Bah si pourtant. Vous pouvez faire crac crac? Qu'est-ce qu'ils foutent? Je comprends pas trop, mais bon. Pourquoi ils peuvent pas faire crac crac? L'autre il va s'évanouir, on va rien comprendre. Allez! J'aimerais que vous baisiez! Demandez à son petit ami. Ah, ça y est. Essayez de faire un bébé. Le bébé! Voilà, vous pouvez y aller? Ned, c'est pas le moment, papa est un peu occupé! Un tout petit peu! Et on va refaire crac-crac une fois. Si ça avait bien arrêté de bugger. Bon, on va les laisser bugger, c'est pas très grave. Et toi, tu refais la poupée, s'il te plaît. Jordan est toujours sur le pot, très bien. Donc après, tu retourneras ici, ici et ici. Pauvre gosse, c'est. Je suis désolée, hein, c'est pas super intéressant pour les petits là. Pierre, non ta gueule bacana. Il se passe quoi? Voilà. Est-ce que vous pouvez. Oh putain, c'est chiant. Est-ce que vous pouvez copuler? C'est complètement bugué. C'est complètement bugué. C'est chiant. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Viens ici. Tu es bugué, mec, non? C'est bientôt l'anniversaire de Soleil et de Mélia. Très bien.
Donc il faut vraiment se manier le tronc. Des simflouzes, voilà, offre-lui 100 et puis peut-être que ça va le débugger. Voilà, c'est bon. Allez, hop, on peut baiser maintenant. Mais pourquoi? Je suis même pas sûre que ça ait marché. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bug? Ah! Bon bah en espérant qu'on soit enceinte, hein. Alors, allez. Super. Super, c'est bon, tu peux te casser. Allez, hop. On te libère. On te libère parce que t'es vraiment un gros con, on te rappellera pas, hein. Débloquer et débloquer. Voilà. non, on lui dit pas, en vrai, on s'en branle, c'est un con. Bon, juste, est-ce que tu peux te casser maintenant? Le Sims part déjà. Ah, mais c'est pour ça que ça bug. Allez, vas-y, dégage. Hop, on va aller s'occuper de nos petites jumelles. Hop, comme ça. Parce que c'est très drôle qu'il y en ait une qui soit mate et l'autre blanche comme mes fesses. Ça, c'est... Je trouve ça drôle. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression de rush là, comme c'est pas permis. Ah, si je pouvais transpirer parce que je joue aux Sims, parce que je rush, croyez-moi que je serais un vrai geyser. C'est charmant. Bon, il en est où de l'imagination? Allez, joue à la poupée, mon petit Max. Et toi, t'en es où, petit chou? Oh, le pauvre, quoi. Passer sa life sur le pot. Non, mais pas de colère, par contre. Non, 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 non. Nyon, nyon, nyon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'occuper de tes petites ou pas? Il s'en est occupé? Est-ce qu'il s'en est occupé? C'est bon. Non. Ce qu'on va faire, Pierre, c'est que tu vas venir là. Et qu'est-ce qu'il y a? Piquer une crise. Non, non, on n'a pas le temps. Et tu vas enseigner les formes à Mélia. À Maya. Pff, je les confonds là, ça y est. Je dis de la merde. Excusez-moi. Excuse-moi, Maya. Allez, vas-y. T'es en colère, mais c'est pas grave, je m'en fous. Putain, il est enragé. J'espère que les gosses peuvent pas mourir de. Ah, mais il est fatigué. C'est pour ça. Oh putain, oui. Ouf, ouf, ouf. Ok. Va coucher Jordan, parce que là, ça craint. Toi, tu vas jouer toute seule. Hop. Vas-y Pierre, va coucher le pauvre Jordan là. Enragé quoi, carrément. Ensuite on va aller coucher Maya. Et je pense qu'on va juste mettre un petit peu Max sur le pot. Voilà, si ça veut bien. Bon en attendant, toi tu vas rejouer encore un peu. Allez Zouzou. Ça monte vite hein, l'imagination avec... Avec avec la lecture de livres, ça c'est cool. Bon. Allez, 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 on va s'aimer, on va danser. Mais c'est quoi ce bug là? Je sais pas. J'espère qu'il est parti par contre, ce con. Il est parti? Non, mais je pense que quand on sauvegardera, on reviendra sur le terrain, puis ce sera bon. Hop, qu'est-ce que t'as le babouin? Ça va aller, on va lui dire. Ça va aller. Là, là. Montes-tu une histoire? Voilà, c'est bon. Hop. Oui, ça va aller. Oh là là. On va juste apprendre un petit peu avant d'aller au lit. Tu comprends? Très en colère. Oui, très en colère. Ah bon, d'accord. Bon bah on va pas. On va pas lui apprendre. On va juste lui lire une histoire et on va aller se coucher. C'est vrai qu'il est déjà 23h, il est grand temps d'aller dormir. Hop. Et merde, j'aurais dû engager un traiteur, j'ai oublié. Pierre, s'il te plaît. Oui, bah tu peux aller le coucher. Va le coucher. Ah, il piquait sa crise, je pense. Non, mais c'est bon, gosse. On va te coucher, là. Arrête de faire chier. Allez, on va au lit maintenant. Zouzou, va au lit. Alors, je suis désolée si je suis un peu de côté. Vous devez vous dire ça depuis des lustres. J'arrive pas à mieux régler sur Bandicam. Et si je déplace ma caméra, en fait, avec le reflet de la baie vitrée, ça fait un contre-jour pas très sympa. Voilà, vous savez tout. Pierre va faire à manger. Je sais pas ce que tu vas pouvoir faire à manger. Fais ça, je sais pas, je m'en fous. Allez, 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 allez. Ah, il a le niveau 3. Putain, il est génial. Du coup, on aura juste à lui apprendre le pot pour finir. Avec Jordan, du coup. Allez. Zouzou, le mec se fait de la bouffe. Putain, il est très heureux, c'est cool. Oh, j'ai faim. Je crois que j'allais manger. Ah! Ça, c'est ton kikinant, Pierre. Il va falloir se relever, mon petit Pierre. Oh là 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 là.
Il y a toujours un truc à faire, hein? Ma gauche. Allez, Pierre. Voilà. Et comme ça, on a un peu de bouffe pour les bébés. Enfin, les bambins, je veux dire. Surtout que c'est bientôt l'anniversaire des bébés, là, donc on va se retrouver avec 5 bambins. Ça va être sympa. Ça va être génial. Donc, génialissime. Oui, je sais que Mélia a faim, mais on mange, là. On arrive. Il faut bien qu'on bouffe pour avoir du lait. C'est dégueulasse. Sachant que c'est un garçon, c'est assez. Ouais. Ouais. Mais au moins, ça change. D'ailleurs, je crois que vous voulez une matriarche pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là là. C'est Soleil, je pense qu'elle a faim aussi. Voilà, on change ta couche si tu bois. Et nous, on va aller se coucher. Parce que j'ai grave dépassé le temps. Allez, zou! On va sur le trône. On efface l'historique. Et au lit. Non mais Pierre, va te coucher. Voilà. Bon, bah franchement, on a plutôt bien avancé. On est encore enceinte. Je vous dis, là, je me lâche, là. Il reste combien de places, histoire de... Oula, qu'est-ce que c'est? Journée du jargon et pirate. Ah oui, alors, attendez. C'est-à-dire que... Parler comme un pirate. Oui, c'est-à-dire que... Non, en fait. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Oh, c'est l'anniversaire des jumelles. Oh putain. Oh, génial. Ouais. Bon. Parler comme un pirate. Ouais. Ouais, bon, on verra ça plus tard. C'est pas très très important. J'ai l'impression qu'il met des trucs aléatoires quand on joue pas. Mais c'est le dernier jour de l'hiver. Attendez. Ah bah oui. C'est le dernier jour de l'hiver déjà. Bon, bah ça passe vite. Bon, bref, j'ai beaucoup trop fait traîner cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous envoie plein de cœurs et de paillettes. Et salut!